Voilà, on s'est réunis avec Léa pour vous donner quelques conseils pour les débutants, pour vous faire progresser dans votre danse et dans votre pratique. Donc je vais laisser d'abord Léa donner quelques petits conseils et ensuite moi j'en donnerai aussi. Vas-y Léa. Alors moi j'ai quelques petits conseils pratiques pour les garçons et les filles. Les filles, n'hésitez pas à ne pas anticiper, soyez patientes avec les cavaliers et essayez de vous laisser guider. Les cavaliers, du coup, ça veut dire que vous, il faut avoir confiance en vous et il faut essayer de guider. On sait que c'est difficile au début d'apprendre les pas et le guidage en même temps, mais il faut persévérer, ça va venir. Et autre conseil, pensez à sortir. Sortez en groupe, vous faites un petit groupe de débutants, vous sortez ensemble, vous dansez ensemble. Ensuite, n'hésitez pas, les cavaliers, à aller inviter d'autres cavalières qui ne sont pas de votre groupe. Des cavalières, faut pas refuser des danses, même si vous avez l'impression de ne pas y arriver. Faut essayer de danser avec les autres cavaliers aussi. Ensuite, souriez pendant les danses, qu'on y arrive ou qu'on n'y arrive pas. Vous verrez, au départ, on se marche sur les pieds, que ce soit la cavalière qui marche sur le cavalier ou le cavalier qui marche sur les pieds de la cavalière, mais assez rapidement, on progresse. Et surtout, ce que je voulais rajouter, c'est écouter de la musique. Écouter de la salsa dès que vous pouvez, quand vous faites votre ménage, dans la voiture, dès que vous pouvez, vous imprégner un peu du rythme, allez-y, faites-vous plaisir. Voilà, c'est le plus important, et faites-vous plaisir, et vous verrez que assez rapidement, on voit que la progression se fait, et qu'on devient de plus en plus... On se fait bon. Plaisir. Voilà, on se fait plaisir, et on commence à s'améliorer à chaque fois. Merci à tous. Merci à vous.